Miss Dila était prête à voir la patiente. Au secours! Une de mes oreilles est plus longue que l'autre. J'entends pas bien à cause de ça. On va arranger ça tout de suite. On peut te tailler une oreille. Y a pas un autre moyen? Étire l'autre oreille. Ça a l'air vraiment effrayant. Il va falloir qu'on te fasse une piqûre d'analgésique. Je plaisante, un comprimé fera l'affaire. Yay! Je peux m'occuper de ça. Au goût de carotte. Oh non, qu'est-ce que c'est? Oups, on dirait que je t'ai donné la mauvaise pilule. Elle se ressemble tellement. Celle-ci est pour la réduction. Prends-la. Elle est trop grosse. Ne t'inquiète pas, je sais comment t'aider. Tu aimes la glace? C'est plus facile à avaler. C'est fait. Waouh, t'es le meilleur docteur qui soit. Merci, Miss Delight. Remets-toi vite, chérie. Oh non, pas de visite sans rendez-vous. Au secours, mon dard me fait mal. Chut, j'ai dit, ne rentrez pas. Tu pourrais peut-être lui donner de la glace? Tu veux un dard? Voilà. C'est mon tour. Qu'est-ce que c'est? Yay, wow! Mes oreilles sont de nouveau de la même taille. Oh non, mon club préféré. Achou! Attends, t'as mangé tout le pot? Tu risques d'attraper un rhume? Désolée, je vais te prescrire un spray spécial. J'en veux pas! Ouvre la bouche, chérie. Ça chatouille! Hey, j'ai plus mal à la gorge! Merci, docteur! C'est pour toi! Juste ce qu'il me fallait. Viens ici, ma pauvre barbe. J'ai une idée. Accroche ça à l'entrée. Pas de problème, doc. C'est fait. Se faire soigner n'est pas du tout effrayant. Paiement en crayon? Bizarre. D'accord. Stop. Qui appelle? C'est pas mon téléphone. Bonjour, doc. Je peux entrer? Quel est le problème? J'ai mal au ventre. Écoutons ça. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un téléphone? Oh, belle musique! Hé, à vous! Qui as-tu mangé? Je me souviens pas, Doc. Entre, allonge-toi. On va commencer. Une intervention chirurgicale est nécessaire. Non! Ne t'inquiète pas, je suis une professionnelle. Maintenant, voyons ta collection. Montre-moi ce que tu as là-dedans. Voilà pourquoi trop jouer est mauvais pour la santé. Il va falloir te mettre au régime. Mais j'adore manger! Je vois ça, mon grand. Qu'est-ce que t'as d'autre là-dedans? Oh, ça pourrait être utile. Je peux le prendre? Bien sûr, Doc. Merci. Attends, il y a certainement quelqu'un. Il est temps de lancer une opération de sauvetage. Suivez ma voix! Pourquoi m'as-tu mangé? C'est pas la meilleure façon de se faire des amis. Je suis toute seule! Mon téléphone est toujours là-dedans. Il faut qu'on le trouve. Un téléphone, tu dis? J'ai compris. Cherchons-le. Je sens quelque chose. Le son vient d'ici. Comment on fait pour le sortir? Attends, j'ai une idée. On va effectuer une opération simple. Il faut juste faire attention à ne pas abîmer le téléphone. C'est parti! On y est presque. Je l'ai. Il fonctionne toujours. Opération réussie. Burk, c'est dégoûtant. Il faut le nettoyer. Il ne recommencera pas. T'es méchant. Merci, Doc. Heureuse d'aider. On va te recoudre. Je me sens un peu plus léger. Je m'en vais. Merci beaucoup. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ou bien est-ce que c'est le cas? Ma jambe! J'ai eu le même problème. Allonge-toi, laisse-moi examiner ta jambe. Je vois, tu as déchiré un tendon. Que pouvons-nous faire pour le remplacer? Je sais. Juste la bonne longueur, on va te remettre sur pied. Il faut bien le fixer. Tu vas sauter comme un lapin en un rien de temps. Testons-le. Ça marche parfaitement. Ta jambe est comme neuve. Super.
Il ne reste plus qu'à recoudre. Est-ce que je vais vivre? Absolument. Tu vivras longtemps heureux et avec un ressort dans ta démarche. Je te le promets. C'est terminé. Tu peux courir partout maintenant. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je me sens super bien. Regarde ce que je peux faire. C'est pas cool? À bientôt. Attention, il y a le plafond. Oh, Huggy Wuggy, tu es si gentil. Je vais bientôt t'arranger, toi. C'est quoi ce bruit? Docteur, qu'est-ce que j'ai? À l'aide, je crois que je suis malade. Tu es entre de bonnes mains. Dis ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Attention, je veux pas m'endormir. Pourquoi la fumée est-elle blanche? Viens avec moi. J'ai peur, c'est quoi ce truc? Ça va t'aider. Vraiment? Fais-moi confiance, commençons la procédure. Comment est-ce arrivé là? J'ai essayé de le faire exploser. C'est bon? Je me sens mieux. Essaie de respirer maintenant. Tout de suite. Dors. Super! Yay! Ma fumée est revenue! Merci, Doc! Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout me démange? Qu'est-ce qui se passe? On doit faire des tests. Donne-moi un peu de ta fourrure. Ça suffit. Dépêche-toi! Ne t'inquiète pas, on va trouver la cause. Mon microscope va tout voir. Jetons un coup d'œil. Maintenant, c'est clair. Le diagnostic est prêt. Ce sont des puces! Je sais comment t'aider. J'en peux plus. Ne bouge pas. Non! On doit faire la procédure. Oust! Ne t'approche pas de moi. Tu vas aimer ça. Pas mal. Waouh, quelle délice! Je te l'avais dit. C'est si bien. Gratte-moi encore le ventre. Et ça, c'est pour moi. Le paiement pour le travail. On a terminé. Comment te sens-tu? Plus de démangeaisons! Il faut appliquer plus de traitements. C'est pas douloureux. C'est vide? Doc, c'est fini? Les amis, aimez la vidéo pour remplir la bouteille. Et sauvez-moi des puces! Ça marche! Merci, mes amis. Maintenant, tu seras sous une protection fiable. Quelle odeur! J'ai plus de démangeaisons! T'es un génie, Doc! Je peux garder ce truc? Tu parles de mon masseur? Bien sûr, voilà. Merci, c'est tellement bien. J'y vais. Reste en bonne santé. Voici une autre partie pour ma barbe. Il n'en reste plus qu'un peu. Vite, docteur, elle est dans un état lamentable. À l'aide. Dites-moi ce qui s'est passé. Pas le temps d'expliquer, elle a besoin d'une opération d'urgence. D'accord, mettez-la là. Ne vous inquiétez pas, elle va vous aider. Assistant, mettez-la en sécurité. Je peux pas, elle se débat. J'ai compris, on va devoir l'anesthésier. Reculez. Attention. C'est fait, ça me facilitera la tâche. Remettez ça en place. Je m'en occupe, Doc. Maintenant, on doit préparer la patiente pour l'opération. On commence par la désinfection pour éviter les virus. Groupe sanguin spécial pour Kissimissi. L'intraveineuse est branchée. On peut commencer. Voyons ce qui se passe avec toi. Je vois. Quelqu'un a mangé des bonbons avec des emballages. C'est interdit. Les insectes doivent être remplacés par des légumes frais. Voici mes trophées. Faisons une petite mise à jour. Ce sera mieux. Chirurgie terminée. Quel pistolet cool! Je me demande comment il fonctionne. Assistant, j'ai terminé, vous pouvez prendre la patiente! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous appelle! Qu'est-ce que vous faites? Très bien. Un jeu d'enfant. Retour à la taille normale pour vous. J'ai toujours besoin de vous. Qu'est-ce que c'était? J'ai un nouveau grand! Merci. Kissimissi, il est temps que tu reviennes aussi. J'ai plus mal du tout. Quelle merveilleuse sensation. Doc, laisse-moi tirer dans mes bras. C'est pour toi. Pour m'avoir sauvée. Bye.
Parfait. Un autre crayon pour ma barbe. Qui est le suivant? Mon œil, je vois plus rien. Y a quelqu'un? Calme-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse-moi regarder. J'ai perdu mon œil quelque part. Comment je peux t'aider? Je sais. On va t'en trouver un nouveau. Ça a l'air super. Et c'est ça. Non, c'est trop vert. Continuons de chercher. Que penses-tu d'un beignet? Le trou n'est pas à sa place. Qu'est-ce qu'on fait? Voici l'option parfaite. Testons-la. Ferme un œil et regarde ici. Quelles sont les lettres que je montre? Nomme-les. C'est... des... Oups! C'est un problème. Ça a l'air dangereux. On les change. Passe-moi ce pistolet laser. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oh, celui-là a l'air bien. Que dis-tu de ça? Maintenant, je peux voir à nouveau. J'ai un cadeau pour toi. Vraiment? Montre-moi. Qu'est-ce que c'est? J'espère que ça te plaira. J'y vais. Bien sûr que ça va me plaire. Ma masse est presque prête. Qui est le suivant? Doc, t'as une minute? Ouais. T'as l'air en bonne santé? Eh bien, pas tout à fait. Regarde. C'est une bosse? Quel cauchemar. Doc, ça va? Réveille-toi. Je suis là. La bosse. Oui, oui, je me souviens. Entre. J'ai jamais vu un cas pareil. Très intéressant. Que faire? J'ai trouvé. Essayons un massage. Reste calme. Je vais l'adoucir. Ça marche pas. Doc, tout va bien? On va utiliser la thérapie du marteau. Quel genre de thérapie? T'es sûre? Doucement et profites-en. Ton dos est aussi droit qu'il peut l'être. Essaie de t'allonger. Doc, il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas mangé aujourd'hui. Oh! Débarrassons-nous de ce surplus de graisse. Je ferais mieux d'aller à la gym. Qu'est-ce que c'est? Encore toi? Viens ici, je vais t'attraper. Je me sens mieux. C'est quoi tout ce bruit? Sauve-moi! C'est bon, elle ne t'embêtera plus. Merci, t'es mon héros. Quoi? Je t'entends pas. Attends, répète, qu'est-ce que t'as dit? Tu es mon héros! Ne reste pas silencieuse, parle plus fort. Ça va pas le faire. Il faut te rendre Louis. Quelqu'un a besoin d'un nettoyage d'oreilles. Oh, ça chatouille! On a besoin d'armes lourdes. Prenons cette affaire au sérieux. C'est quoi ce bruit? Pourquoi ma tête bourdonne-t-elle? C'est fait! Vérifions les résultats. Comment es-tu arrivé ici? Bonjour! Ça devrait marcher maintenant. Tu es mon héros! Oh, pourquoi tant de bruit? Tu m'as guéri! C'est mon travail? Je n'oublierai pas ça. Tiens, tu as besoin de ça. Merci. Maintenant, ma barbe est prête. Veux-tu m'épouser? Bien sûr. Allons-y. Je t'aime. Au revoir, mes amis. Suis-je invitée au mariage? Aujourd'hui, c'est une vraie fête. Miss Delight et Mr. Delight se marient. C'est l'heure de changer les bagues. Une mini-masse pour ma chérie. Comme c'est beau! J'ai hâte de l'essayer. Un digne successeur garanti. Et quelle est la réponse de la mariée? Pour mon mari bien-aimé. Elle convient parfaitement. Ça, c'est de l'amour. C'est ce que je veux aussi. Comme dans un conte de fées. À quoi elle joue? Je veux me joindre à elle, moi. Je vous déclare mari et femme. Oups. Hé, tout le monde, vous voulez rencontrer ma meute? Qui sera le premier? Non, merci, je passe mon tour. Quel horrible engin! Alors toi, Kitty! Ne me touche pas! Je suis l'hôte, arrête! Mais qu'est-ce qui se passe? Brian, il est temps de sortir. Le jeu est terminé. Juste pas la queue. Tu as encore en vie? Eww. Juste au moment le plus intéressant. Tu me déranges! Va dans ta chambre. T'es une vraie avare. Où est-ce qu'on en était? Je peux pas bouger. On a besoin d'aide. Evie, viens à nous. Il m'appelle? Toi, toi, viens à nous. Vous avez vraiment besoin de mon aide? J'ai compris. J'arrive. J'ai toujours voulu assister à un mariage.
Et vous avez une telle ambiance ici! Faisons en sorte que la fête continue! Laissez-moi vous préparer l'allée! Mon amour! C'est l'heure de notre lune de miel! Et voici notre voiture! Au revoir tout le monde! Merci d'être venu! On a beaucoup de choses à faire! Oh! J'ai failli oublier! Attrapez! Oh! Dépêche-toi! Allons-y! Très bien! Il est temps de prendre la route! Ton choix! Où est-ce qu'on va? Je veux casser quelque chose. Je peux venir avec vous? Mon chéri! Génial, j'arrive! Il devrait y avoir un bouton ici. Oh, je crois que je l'ai trouvé. L'aventure de notre lune de miel commence maintenant. J'arrive pas à y croire. Allons plus vite! Evie, tu m'entends? Génial, maintenant personne ne va interrompre mes jeux. On y est presque. Pas de coup d'œil? Regarde. Tu n'as pas quelque chose à me dire? Oups, je crois que j'ai oublié le nettoyage. Une mariée ne peut pas vivre dans un endroit pareil. Je vais tout arranger tout de suite. T'es incroyable. Wow. Est-ce que je peux être comme toi? Bien sûr. Préparons-nous. Voici ma checklist. Commençons par le maquillage. Je serai aussi belle que toi. Ma petite trousse de maquillage. Tu peux l'ouvrir? Je te le permets. Super, attends une seconde. Laisse-moi t'aider. Oh! Oh! C'est ça dont nous avons besoin. Ne va nulle part. Commençons la transformation. Éloigne-toi de moi. Oh, au secours! Oh, je suis libre. Par où commencer? C'est une situation difficile. Désolé, monsieur l'araignée. Il faut que je nettoie tout ça. T'es si haut perché! J'ai une idée! T'es entre les mains d'une pro! La clé, c'est de ne pas se faire prendre! Tu es comme moi! Tu viens avec moi! Oh! Travail fait! Waouh, t'es trop forte! Je peux le faire! Allez, c'est dur! Encore un peu! À notre rendez-vous, monsieur Spider! Oh! J'abandonnerai pas si facilement! Tentative numéro 2. Il est temps de faire des rénovations. T'es pas si lourde que ça. Oh! J'en ai peut-être trop fait. Oups. Premier élément fait. Quel est le prochain point? C'est vrai, les cheveux. Je veux la même coiffure que toi. Assieds-toi ici. Je vais le faire maintenant. Oh, à l'école, tout le monde enviait ma coiffure. J'ai quelque chose ici. Je suis prête à changer de style. La coupe de cheveux signature de Miss Delight. Je trouve que ça a l'air superbe. J'ai fait du bon travail sur toi. Tiens, regarde. Cette couleur me va bien. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est à toi? Oui, ça vient de mon école. Mais je n'en ai plus besoin. D'accord, comme tu veux. Les deux premiers éléments sont faits. Maintenant, tu as besoin d'un maillet comme le mien. Je l'ai pas... Où est-il passé? Je sais pas, mais moi, j'ai pas touché. Où est mon cher mari? Je serai bientôt comme elle. Encore quelques touches. C'est presque fini. Quelle couleur apaisante. Je suis douée pour ça. Oh, ma chérie, comment trouves-tu notre nouveau design? Tu es un vrai maître. Très intéressant. Et où as-tu trouvé ce crayon rose? Nulle part. Il traînait par terre. Tu l'as pris dans ma maille. C'est l'heure de notre première dispute conjugale. Non, s'il te plaît, épargne-moi. Maintenant, je suis blonde. Je voulais juste aider. Quelqu'un a des problèmes. Sœurette, qu'est-ce que tu fais? T'as l'air bizarre. C'est de la paille sur ta tête. Tu me suis? Sors de là. Allez, sœurette, tu l'as bien cherché. Il manque quelque chose ici. Des traces de moi. Réparons ça. Et voici une trace. Et une autre ici. Et laissons-en une ici. C'est fait. Brian, arrête! Qu'est-ce que t'as fait? Ça suffit, espèce de petit fauteur de trouble. Essaie de jouer sans ta manette. Oh, tu l'as cassé? T'es si méchante. Tu l'as bien cherché. Quelle est la prochaine étape de notre liste? La jupe. Où est-ce que je peux la trouver? Il faut que je regarde dans le placard. Il doit y avoir quelque chose de convenable ici.
Oh, ça me convient pas. C'est pas mon style. Intéressant, mais pas ma taille. Est-ce que c'est une couverture? Comment je peux porter ce truc? Oh, au secours, je m'en mêle! Ah! Bonjour, Miss Delight. On dirait que t'as des problèmes. Laisse-moi t'aider. Retourne dans cette crêpe. Maintenant, reste immobile et ne bouge pas. Je dois faire quelque chose. Je voulais pas! Je dois prendre tes mesures. Je veux te coudre des vêtements. Pfiou, tu m'as fait peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va te coudre une jupe maintenant. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Laisse tomber. Je dois me remettre au travail. Tu as besoin d'un lit? Je m'en occupe tout de suite. Ne te coupe pas, c'est tout. Ça devrait suffire. Ok, mon pote. J'ai un travail pour toi. Je suis douée pour ça. Faisons un essai. C'est tellement confortable ici. Ma femme va adorer. Et on passe à la prochaine cible. J'ai fini. Essaye. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Miss Delight. Encore un point à cocher. Passons à autre chose. Oh, quel terrible désordre. J'ai quelques questions à poser à mon mari. Chérie, mets ça et n'écoute pas aux portes. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas laisser traîner d'objets dans l'appartement? Oh, j'ai rien laissé traîner. Tout était bien plié. C'est pas juste. Oups, oups. J'ai pas fait exprès. Je suis désolée, Mr. Delight. Voici tes vêtements. Arrête, je dois faire quelque chose. Tout de suite. Quelle puanteur. Il est temps de laver. Bonjour. Il y a une place disponible là-bas? Ça dépend pourquoi. Pour ça. D'accord. Voyons voir. Je m'appelle Oogie Woogie, au fait. Enchantée de te rencontrer. Et je suis en pleine forme. Tu veux pas m'épouser? C'est une offre tentante, mais je suis déjà prise. Oh, tous ces efforts pour rien. D'accord, j'ai fait une pause. Maintenant, au travail. On va arranger ça. C'est facile. C'est presque terminé. Mais il me reste plus qu'à ajouter la touche finale. Qu'est-ce qu'il me manque? Un nœud? Je l'ai. Il faut juste que je me souvienne de ce qui va où. On dirait que ça a marché. Bon travail, Evie. T'es une vraie beauté. Oh, comment elle a fait? Encore un point de cocher. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis dessus. Couleur rose. Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tes affaires, fraîches et intactes. Merci, à bientôt. Je suppose que je resterai célibataire. Toutes les couleurs sont en place. Vérifions. Ça marche, excellent. Miss Delight, je suis prête. Je vois. Ça te va très bien. Ça fait deux éléments de plus. La transformation est presque prête. Mais il me manque ce patch. Tu parles de cette pomme? Je vais te le préparer tout de suite. Je vais bientôt devenir Miss Delight. J'adore les appliquer depuis l'école. Ici, on découpe. Ici, on colle. Et voilà notre pomme. Et c'est là, ma chérie. Miss Delight, merci. Je me sens comme ta fille. Encore deux à rayer. Qu'est-ce qui va pas? Apprends-moi à lancer de crayons comme ça. Faisons une séance d'entraînement. C'est parti. La clé, c'est le mouvement de la main droite. Répète après moi. Le mouvement de la main droite. J'ai compris. Yay, j'ai réussi. Il ne reste plus que la maille à gauche. Aide-moi, s'il te plaît. Tu parles de cette maille? Tiens, c'est à toi. Merci. Ah, c'est si pointu. Laisse-moi le tenir. Et lourd. J'ai tout réparé. C'est pas un jouet. La maille est tranchante. Tu peux te couper avec. Il a raison, chérie. Rends-la-moi. Pas question, maintenant c'est à moi. Très bien, viens, je vais te montrer quelque chose. J'adore les surprises. Regarde, maintenant c'est ta chambre. C'est lumineux ici. Il y a plein de jouets. Et tu peux te détendre. J'ai enfin réparé la manette. Maintenant, je vais la récupérer. C'est la meilleure chambre du monde. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je peux pas me contrôler. Courez.
Chérie, tu te sens pas bien? Courez plus vite! Je sais pas ce que c'est, je peux pas me contrôler! Ah, j'ai pris le contrôle! Chérie, arrête! Je sais pas comment! Quelqu'un a pris le contrôle, je peux rien faire! S'il te plaît, ne raye pas les murs! Nous devons l'arrêter! C'est trop tard! Attrape le cadeau! Chérie, arrête! Reprends-toi! Merci de m'avoir appris le lancer! Maintenant, c'est à ton tour, Miss Delight. Ne te précipite pas, il faut que tu te calmes. Viens à moi. Quelque chose te contrarie, asseyons-nous et parlons calmement. Prends ça, Miss Delight. Qu'est-ce qui se passe? Ma chambre! Tu l'as abîmée? Tu es fichue! Oups! Tu ne peux pas m'échapper! Stop! Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Je sais pas, mais j'ai peur. Aide-moi à sortir d'ici. Chérie, on te fera pas de mal. Sors de là. Elle est introuvable. J'appelle la police. Allô, monsieur l'agent? Ma fille a disparu. But! Il a l'air de s'éclater là-bas. Je vais régler ça tout de suite. C'est quoi ce bruit-là? Monsieur l'agent, j'ai quelques questions à vous poser. Quoi? Attends. C'était Miss Delight! Je t'attraperai, dangereuse criminelle! S'il te plaît, ne casse pas mes lunettes! Quoi, tu t'es dégonflé, le scientifique? Pas du tout! C'est à mon tour de servir! Y a pas beaucoup d'espace! La trajectoire de vol est dégagée! Ah! Prépare-toi! Hein? Wow! Wow! Eh bien, Frimeur, tu peux faire ça? Moi, je peux! Bonjour, prisonnier. Je suis ici pour mettre de la connaissance dans vos têtes de criminels. Service! Attention! Oh oh! Tu ne... Oupsie! Les jeux d'intérieur sont interdits, élève. Oh, elle est si effrayante! C'est pas grave, j'ai connu pire. Mais il n'y a pas de place pour les jouer ici. Dites au revoir au ballon! Non, pas le ballon, je le chéris trop! Très bien, je te pardonne pour l'instant. Peut-être la prochaine fois? En plein dans le mille. Oh! Comment se débarrasser de cette odeur maintenant? Cette station manque clairement de discipline. Pourquoi me chercher? Me voici, votre nouvelle directrice de prison. Quoi? Regardez l'emploi du temps. Maintenant, tout va se passer à ma façon. Commençons par mettre de l'ordre dans vos affaires. Ça, vous n'en aurez plus besoin. Le savoir, c'est le vrai pouvoir. Voilà. Taylor ne va pas être content. Mon alter! Regarde ces bureaux. L'environnement scientifique me manque tellement. Athlète, au tableau. Quoi? Pourquoi moi? Non! Je peux, moi, je peux, s'il vous plaît! Calme-toi, mec, elle m'a appelé, moi. Pourquoi lui? Laisse-moi faire. Je connais la réponse. Miss Delight, s'il vous plaît, laissez-moi faire. J'ai demandé à Taylor. Prends la craie et fais-le. C'est du charbon. D'accord. Allez, Taylor, n'aie pas peur. Miss Delight, je vous en prie, je vais résoudre le problème dans une seconde. Laissez-moi répondre. L'équation t'attend, Taylor. Sois courageux. Comment je résous ça? Oh, j'ai trouvé. Taylor, ne te mets pas dans l'embarras. Très bien, voyons voir. Apparemment, les mathématiques ne sont pas ton fort. C'est pas grave, on va trouver la science qui te convient. Essayons la géographie. Montre-moi l'Amérique du Nord. Je pense que le style de James LeBron fera l'affaire. Hop! Quoi? Coup dur, hein? Oh. Je devrais voir le maître. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Je devrais faire attention. Mike, explique-toi. J'ai décidé de vous montrer toutes mes formules préférées. Je les ai classées et je les ai mises en évidence avec des couleurs. Ces crayons me disent quelque chose. Attends. Ma barbe. Comment oses-tu la toucher? Ne touche plus jamais à barbe. T'as compris? Je croyais que c'était pour ça. Sam Newton, c'est quoi le problème avec ses nerfs? Taylor, je crois qu'on est condamné. Félicitations, les élèves. Vous avez un examen aujourd'hui. Vos formulaires? J'attends les travaux terminés dans 7 minutes.
Trop cool! J'adore faire correspondre les tâches. Faisons-le! Quel est l'arôme des Smiling Critters? Comment le saurais-je? Oh, mes amis, dites-moi, quel est l'arôme du Hoppy Hopscotch? Écrivez-le dans les commentaires. À qui tu parles? Personne? Je compte sur vous! Le dernier Critters, c'est fait! Le temps est écoulé! Vérifions les tests. Il faut que ce soit correct. Je les connais tous par cœur. Bien joué, Mikey, bien joué. Et toi? C'est mauvais. Raté. T'aurais dû étudier davantage. Tu le repasseras demain. Maintenant, sens-les et souviens-toi de leurs odeurs. Et c'est tout? Je pensais que vous me puniriez. Je ferai ça plus tard. J'ai bien travaillé. Mike? Oui? Remets-les tous en place. Comme vous voulez, Miss Delight. Je voulais juste que la maîtresse m'aime bien, moi. Dîner, dîner, dîner. J'arrive, monsieur. Votre plat préféré? La cuisse de dinde cuite au four avec de la fumée sous une sauce crémeuse aux prunes à la chèvre. Oh, wow. Je suis au paradis. Miam, 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 miam. Oh, miam. Ah, oh, oh. Miam, je mangerai bien une dinde entière. Oh, blerk. Désolée. Laisse-moi tranquille. Oh, ma pauvre jambe. Qu'est-ce qui t'a pris de m'attaquer? Quoi? C'est juste les cours du matin au soir et pas de déjeuner, ni de dîner. Et oh... Mais pourquoi se manger les uns les autres, hein? Suis-moi. Pourquoi? Pour aller où? Ok. Super, personne ne nous surveille. Fruits, wow. Frais, juteux, si séduisant. Oublie les fruits, c'est notre chance de nous échapper. Je ferai n'importe quoi pour un déjeuner. Allons-y avant qu'ils ne viennent. Il y a tellement de choses cool. Ouais, la cachette est assez impressionnante. Wow. Génial, Blaster 2000. Je l'ai vu que dans les séries télévisées. Je me demande si ça marche. Taylor, arrête! Ne touche à rien. L'intello a raison. Oh, qu'est-ce que c'est? Il faut vérifier la sécurité dans les couloirs. Ok, ça devrait être comme ça. Trouvons celui qui est vide et le plus proche de la sortie. Oh, j'adore les beignets. Comment est-ce que je peux les laisser traîner comme ça? Oh, maman, c'est pas bien! Taylor, qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai dit de ne toucher à rien! Oh, je dois rester affamée. Trouvons le moyen d'ouvrir les portes principales. Tu crois qu'elles sont fermées? Oh, regarde, c'est nous sur l'écran! Toujours pareil, Taylor. On dirait que ce couloir n'est pas gardé. Qui viole le régime ici? Ah, cours! Ah! Mauvais élève. Wow, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a essayé de manger mon beignet? Où sont-ils? Dépêche-toi, Taylor, répare les barreaux! C'est fait, on est en sécurité maintenant. Je devrais les nourrir, au moins de temps en temps. Silence! C'est le matin? Tu veux être l'animal de compagnie d'un professeur? Quoi? Je vois. Bon, il est temps de se lever. Commençons par les procédures du matin. Un véritable athlète doit veiller à son hygiène. Et une haleine fraîche est l'un des éléments vitaux de ma liste de bien-être. Brosse-les en haut, brosse-les en bas. Brosse-les bien tout autour. Celui-là dort encore. 5 à la troisième puissance. Il ferait mieux de se lever et de faire quelques exercices. Il faut qu'il prenne exemple sur moi. Parce qu'il ne sait que sortir ses livres de la bibliothèque de prison. Il ferait mieux de faire 10 pompes. Enfin, au moins 2. La capitale de l'Australie n'est pas Sydney. Peut-être que notre bachoteur aurait au moins quelques muscles, alors. 10 plus 15... Il faut que je prenne en charge l'éducation sportive de Mike. Je vais lui apprendre à boxer. Ce serait hilarant. 20... 30... C'est tellement grossier, il sait pas compter. Super séance d'entraînement. Mais j'ai encore faim. Un bucket de wings serait le bienvenu. Oh, il est toujours là, le fruit de mes rêves. Je te veux. Oh, des fruits. Qu'on me serve des fruits, quelqu'un. Je peux pas l'atteindre. Quelle honte. Tu veux des fruits? Ouais.
Laisse-moi. Allez! Bouge! Qu'est-ce que tu fais? Il se passe rien, là. Patience, mon ami, patience! Quoi? Ça a bougé? Allez, Mikey, pousse-le! J'essaye! Mon niveau en télékinésie n'est pas encore assez élevé. Sacré Michael Jordan! C'est un miracle! Qu'est-ce qui se passe ici, les garçons? Qui vole les fruits? Pas moi! La science, tu dis? Juste une mauvaise hygiène. Désolée, moustachu, mais tu n'es pas le bienvenu ici. Ah, dégoûtant! Pourquoi êtes-vous si cruel? Ne pleure pas, mon cher, je t'ai apporté le petit déjeuner. Enfin! Merci, Miss Delight! Bon appétit! Une tarte aux protéines, c'est parfait! Ça a un goût bizarre. Un peu inhabituel. C'est de la nourriture! Attends, des verres? J'ai mangé une poignée d'asticots vivants! Je te comprends, j'ai des pattes avec des globes oculaires! Oh! C'est trop! On va se venger! Bonne fête des profs, Miss Delight! C'est gentil de votre part! Nous vous avons acheté un cadeau! Allez, ouvrez-le! Un cadeau pour moi? Oui, on a fait de notre mieux! J'espère que ça va vous plaire! J'adore les cadeaux! Bande de petits espiègles! Vous allez le regretter! Mike, on y va, vite! Taylor! Au secours, elle m'a eu! Qu'est-ce que je fais? Oh, je sais! Tiens bon, Mike, je vais faire vite! Taylor, ne me laisse pas! Ferme-la, l'intello! Personne ne va t'aider! Je vais me défendre! Et la meilleure défense, c'est l'attaque! Mange ça! Ça ne marchera pas! J'atteindrai aussi ton ami. On a besoin de l'arme la plus puissante. C'est ça. Blaster, ça suffit. Laisse-le tranquille, prof. Je comprends pas, qu'est-ce qui va pas? Le blaster ne marche pas. Ce stupide truc en plastique, c'est nul. Dis au revoir à la science, Mikey. Stop. Catnap, vivant? Le seul et l'unique. Quel rebondissement inattendu. Est-ce que j'hallucine à cause de cette tarte? Dors. Il est un peu tard. Je vais faire une sieste aussi. Dors. D'accord. Elle se dit gardienne. Je vais te montrer comment diriger une prison. Fumée rouge, catnap. Ça va être un cauchemar, quelle horreur. Plus de creepypasta avant d'aller au lit. Bien reposé. Quel parfum choisir? Allons-y pour la lavande. Charmant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Rien, rien, j'ai fait un cauchemar. C'est bizarre, Jacqueline n'est toujours pas là. Elle n'est jamais en retard. Tu l'as vue? Elle est peut-être malade. J'espère que non. Qui va nous apporter le petit-déj? Jacqueline! Peut-être qu'elle a juste oublié de nous donner à manger. Je vais aller lui rappeler. Si quelqu'un demande, dis-lui que je serai bientôt de retour, d'accord? Bien sûr, mon frère. Vas-y, je te couvre. La caméra a enregistré tout ce qui s'est passé hier soir. Il y a donc un enregistrement sur l'ordinateur. Vérifions. C'est bizarre. J'aime pas tout ça. Peut-être que c'est juste une interférence? Ou bien quelqu'un a intentionnellement effacé toutes les vidéos? Qu'est-ce que c'est que ça? Les clés de la prison! Elles vont nous aider. Ton potage! Tu l'as trouvé? Non, elle est pas dans la cuisine, mais il y avait ce... un nouveau chef en prison? J'ai plus faim. Beurre, c'est dégoûtant. Pas d'autre nourriture. Et j'ai vraiment envie d'un encas. Oh, ça sent la lavande. C'est ce qui m'a semblé. Délicieux. Yeah. Allez, goûte. Ou donne-le-moi. Pas question. Je dois manger cette bouillie. Eh, c'est pas si mal. C'est mieux que du pain et de l'eau. Taylor? Quoi, y a de la bouillie sur mon visage? Tes lunettes? Elles ont changé. Tu t'es vue? Tout en violet. Je crois que c'est la nourriture. Porridge trafiqué. Mais qui a éteint la lumière? Mike? Qu'est-ce qui va pas? Catnap! Courons! Petit chat effrayé, vous allez loin? J'ai l'impression de dormir. Moi aussi. Des souris dans la cage. Vous ne vous échapperez pas. Bienvenue dans le monde des cauchemars éternels.
quel intérieur terne. C'est quand même mieux. Ma prison, mes règles. Il est temps de partir. Il nous faut un plan. Appelons-le Freedom One. Tu es le cerveau. Réfléchis. On va creuser un tunnel avec des cuillères. Ça prendra quelques années, c'est compris? Ouais. On tisse la corde avec des draps et ensuite, on descend d'une falaise. Exactement. Ouch. Oh, fais attention où tu vas. Souris, elle est énorme. Elle est loin de moi. Quoi? Elle va pas te faire de mal. Regarde ses dents. J'ai une idée. Et notre plan? Peu importe, j'en ai un nouveau. Comment vont mes prisonniers? Oh, ils dorment si gentiment. Bon travail. Ça sent la nourriture. Une souris. Oh, le petit déjeuner est là. Allez, ne cours pas. Faisons connaissance. J'ai du fromage. Ça a marché. Hé, Taylor, lève-toi. Elle est partie. T'es un génie. Bien sûr, l'intelligence, c'est le pouvoir. High five. Oh, oh, ma main. Non, mon pote, la force est dans les muscles. Regarde. Si faible et inutile. T'as besoin de te gonfler de toute urgence. Allons voir papa. Gauche, droite. Une, deux. Attends, encore quelques séries. Qu'est-ce qu'il a? Cette grille, elle est plus dure qu'elle n'en a l'air. Il est incorrigible. Regarde, ce sont les clés. Elles ouvrent la porte. Pas besoin de tordre le métal. Peut-être que... Attends, ne l'ouvre pas. Je suis tout seul. Hé, la cage, prépare-toi à être vaincu. Wow, c'est fort. Allez, grille, cède. Mike va se moquer de moi. Comment ça va? Du travail? J'abandonne. Ouvre. Tu vois, c'est si simple. Oh! Tu veux une souris? Non, merci, j'ai pas faim. Profite bien. Merci.